On est dans une petite vallée aujourd'hui, on a été dormir là-bas au fond, on met la tente séchée parce qu'il a fait super humide. Comme d'hab, Guy fait l'intendance, hein. Moi je me la touche bien. Voilà, on n'a pas trop fait quoi que ce soit hier parce qu'on a mangé 2 heures de route, on est arrivé tard, on avait directement envie de manger. Voilà, on a mangé du bon chili. Je peux vous dire que là, je crache le feu, mais pas par la bouche. Et aujourd'hui en gros on essaye de taper les 20 km. Apparemment c'est une marche qui dure quasi 8 heures. Et après elle sera faite, hein, on sera au petit chômage technique si je puis dire. On est parti sur le tour, on fait un skip 24 kills avec 800 de dénivelé. Et ouais, ma gueule. Et on va bien s'amuser. Et ça monte déjà alors qu'on vient de commencer de 10 mètres. Voilà, on vous tient au jus. Nous avons la première crevaison de la journée. Comme vous pouvez voir ici, on a récolté le fruit du hêtre qui est tombé. Alors si on ouvre la bogue, on peut voir que c'est des fruits en triangle comme ça. Et en fait, ils sont parfaitement comestibles. Il faut juste enlever la peau et après, ça a le goût de noisette. Bon, ici, c'est pas encore la période parce que évidemment, les fruits secs, ils tombent plus en octobre. Donc on va pas pouvoir le manger parce qu'il n'est pas encore mûr. Mais comme ça, vous savez que si vous êtes en dèche dans la forêt, mangez les fruits du hêtre. Mais elle est un peu farineuse et ça me fait peur. Il allait nous faire une petite leçon de botta sur la myrtille, mais apparemment il valide pas, du coup pas de leçon. Il fait méga chaud, mon t-shirt est imbibé de sueur, du coup il est en train de sécher. On fait une pause dîner, on est au Surkoft avec PH à la fin. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, voilà quoi. On n'a toujours pas vu la cascade ni les ruines du château. Mais c'est prévu. Il reste littéralement 7 km. On n'a toujours pas vu le moindre cascade et le moindre château. Je suis un peu déçu, mais Guillaume a l'air de me dire que la cascade on la verra. Je commence à croire que cet enfoiré m'a manipulé l'esprit. Il faut pas rester pessimiste, tout ce qu'on veut c'est la perf sportive ici. Non. Moi j'étais là pour faire des petites photos sympas, un petit vlog et... Et boire des grosses chopes. A few moments later. J'étais en train de me plaindre il y a 2 minutes, mais on vient de tomber sur la super cascade. Elle est incroyablement fraîche.
là-dessus, bah, ça explique des trucs en allemand que je peux pas trop vous traduire, mais d'après la situation, voilà la cascade derrière. Bah juste, c'est une cascade quand les glaciers fondent, du coup là c'est un pipi de chat. Genre, il n'y a même pas un petit ruisseau ou quoi. Voilà, c'est vraiment décevant, mais on accepte les conditions météorologiques. Il y a souvent des petites déceptions comme ça, mais la boucle est quand même super chouette. Peut-être qu'il reste encore le château. Il nous reste un truc genre 3-4 km. À voir ce que ça dit, à voir ce que ça donne. En attendant, on a quand même des belles petites pentes, des belles petites vallées. Et ici, il y a un petit pont qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. On vient d'arriver à la voiture, on a tapé 24 kills. Apparemment, on aurait pu faire une autre boucle et c'est là où il y avait le château. Enfin voilà, on va vérifier sur Maps, mais c'est la théorie la plus probable qu'on ait. A few moments later. Yo la team. Du coup, au final, on a trouvé le château et une cascade apparemment, mais c'était pas du tout sur la boucle. C'est pas Guillaume qui me mentait, c'est juste la boucle qui nous mentait. Parce qu'on est à 7 km de l'endroit où on dormait, c'était absolument pas sur la boucle. Et du coup, juste on a décidé d'y aller en caisse. Et là, on est deux gros touristes qui vont visiter un château abandonné. En fait, c'est un peu comme l'abbaye de Villers-la-Ville. Je vous ai parlé de l'abbaye de Villers-la-Ville et comme quoi ici c'était un château, mais en fait c'est pas du tout un château. On a mal traduit, c'est en fait un ancien domaine, une abbaye. C'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait beaucoup plus à Villers-la-Ville, mais genre fort. Ici on est dans les petits jardins, etc. Enfin, franchement c'est stylé quoi. Bon, ok, là c'est un peu la sécheresse, mais franchement le cadre est vraiment très. J'ai pas trop les mots, je dirais très calme, posé en fait. On vous remercie simplement de nous avoir suivis durant ces trois épisodes de l'aventure dans la forêt noire. On espère que vous avez kiffé autant que nous. C'est toujours difficile de montrer en vidéo ce que nous on voit parce que les paysages sont juste magnifiques et enfin on essaye mais voilà c'est un peu compliqué. Nous on s'est régalé tout l'épisode, enfin les trois épisodes. N'hésitez pas à nous suivre, il y a plein de projets sur ma chaîne qui vont arriver. Pareil sur Insta, ça va bombarder bientôt. Voilà, bisous, merci. Ciao ciao la mif.